tous les fils lui virent. Elle finit par abandonner le domicile conjugal et quelques temps après, je devais battre. Parce que j'étais née en dehors de sa maison, mon père refusa de me reconnaître comme sa fille. Mais vers ma troisième année, il eut la gentillesse malgré tout de m'adopter dans sa grande maison. Ainsi, j'abandonnais ma mère pour aller vivre près de celle qu'il avait grandvoyée. Égale, sinon pire, que celle de l'orpheline Touba. Mes souffrances ne m'empêchèrent pas d'atteindre ma sixième année. Mon père tenait beaucoup à ses projets de guerre. Et à chaque fois que l'occasion se présentait, il se garnissait la poitrine de décorations cruscantes, de médailles de ceci, de croix de cela. Bref, je me rappelle bien qu'il y en avait au moins une vingtaine de toutes les couleurs et de toutes les formes.